Hey les potes, c'est Bazy, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live sniper sur Call of Duty Advanced Warfare à la morse. Donc voilà, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas sorti de vidéo sur Call of Duty. Il y avait eu deux vidéos FIFA 15 et une vidéo White Noise Online qui j'espère vous aura plu. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de Call of parce que j'avais des vidéos en réserve sur FIFA. La vidéo White Noise Online, qui est un jeu pas cher sur Xbox 360, franchement je vous le conseille, c'est un petit Slender like, on va dire ça comme ça. C'est un petit jeu à la Slender qui est sympa. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on est là pour parler Call of Duty, on est là pour parler Sniper. Donc, bientôt, les nouveaux live Sniper vont arriver. Après cette vidéo, il y aura la vidéo défi abonné. Donc, dans les commentaires, je n'ai en dessous, bah, je vous incite à marquer qu'est une classe, what the fuck. Vous marquez tous les détails de la classe, juste les atouts, les accessoires et l'arme. Donc si vous avez marqué, si vous avez envie de marquer plus de choses, et ben marquez, voilà, ça me fera plaisir. Mais pour l'instant, voilà, Live Sniper aux morses, donc il y aura d'autres Live Sniper qui vont arriver avec l'Atlas 45 et avec les autres snipers, même si ça va être vachement chaud quand même. Je trouve qu'ils auraient pu faire un petit peu de meilleures choses sur les autres snipers, parce que franchement c'est vraiment galère de jouer avec. Alors on va lancer du match à mort par équipe, c'est parti. Donc petit live de 15-20 minutes. Pas plus bien entendu comme d'habitude de toute façon, parce que voilà, après 30 minutes ça commence à faire un peu long quand même. Je préfère faire un truc comme ça de 15-20 minutes. Alors c'est parti, retreat. Donc pour ce qui est de la Xbox One, c'est encore mieux. Voilà, je vous l'annonce encore, je vais l'avoir à Noël. C'est pour ça, voilà, je suis super content. Comme ça je pourrais vous proposer du Call of sur Next Gen. Ça fait un petit peu quelques jours que j'ai pas que j'ai pas touché du Call of, ou putain, et surtout de la Xbox 360. Je vais essayer de me concentrer juste au début pour essayer de reprendre la main, mais à ce que je vois ça a l'air d'aller, donc ça va. Oui, parce que il y a comme vous avez pu l'avoir dans la vidéo setup de ASK Wixo, il a la Xbox One et du coup j'ai pu vraiment tester Advanced Warfare sur la Xbox One. C'est pas déroutant franchement. C'est entre next gen et old gen, on va dire ça comme ça, c'est vraiment pas déroutant. Il y a moyen de faire des gros trucs. Ou putain, d'accord. Il y a moyen de faire des gros trucs, etc. Et donc voilà pour ce qui est de ça. Aussi, bonne nouvelle, le patch, la balle 27 a été patchée sur old gen, pas encore sur next gen. Mais ça va bientôt arriver, je pense. Je sais pas si quand je fais cette vidéo sera déjà patché, mais je pense pas. Donc ça a été patché sur notre console, la Xbox 360. Sur Xbox One, etc., ça tarde un petit peu, mais ça va arriver hein, de toute façon. Donc c'était un petit peu une demande de tous les joueurs Call of. Enfin, de tous les joueurs d'Advanced Warfare, parce que il faut savoir, si vous y jouez pas trop à Advanced Warfare, il faut savoir que la balle 27 est vraiment très très cheatée. Et donc voilà, c'est une bonne chose qu'il l'ait patché, parce qu'on voyait vraiment que de ça en fait. En ligne on voit vraiment que de ça, et c'était un peu casse-couille. En plus c'est le tuant de balles, etc. Vraiment très très puissante. Donc voilà. Bon alors, c'est parti. Donc j'ai débloqué quelques camouflages sur le morse. Donc celui-là c'est le multicam, je crois. Je suis pas très fan des camouflages sur ce AW franchement. J'espère qu'il y aura des camouflages pour acheter, même si je vais pas en acheter beaucoup hein. Je suis pas un mec vraiment qui achète je suis pas un joueur qui achète vraiment beaucoup les DLC, etc. Oh putain, non, dommage, je suis pas un joueur qui achète vraiment beaucoup les DLC, à part les camouflages. À chaque fois j'achète pas trop de trucs. À ce qui paraît il va avoir un DLC zombie, du coup je pense que ça va vraiment être que celui-là que je vais acheter. Ah ouais, un petit coup de gueule aussi, parce que voilà, ils nous mettent pas le zombie mais ils nous font acheter 15 boules le petit mode zombie. Donc c'est histoire de faire du fric. En plus le zombie, comme c'est du zombie, il y a beaucoup plus de gens qui vont l'acheter comparé à, imaginons qu'ils aient sorti des maps normal, comme il y a un petit truc zombie, il y a 10 fois plus de gens qui vont l'acheter tout simplement hein. C'est pour faire du pognon. De toute façon tout le monde veut faire du pognon partout hein. C'est un petit peu le but de la chose, voilà. Alors j'ai à peu près tout dit ce que j'avais à dire. Après merci pour bientôt les 270 abonnés, ça fait plaisir. Ça monte lentement c'est vrai, mais c'est comme ça, je perds pas patience. Tous les nouveaux abonnés, à chaque fois que je vois un nouvel abonné, je suis content bien entendu hein. Ça montre que mes vidéos vous plaisent.
Et c'est sympa. Oh putain, yes. Et donc voilà, alors par contre, franchement, j'ai pu tester le Morse sur Next Gen et il est 10 fois plus agréable à... Putain, il est 10 fois plus agréable à jouer. Déjà la qualité du scope, etc. C'est vraiment magnifique. Mais je trouve que sur Next Gen, il est vraiment plus agréable à jouer, plus que sur Xbox 360. Excuse-moi, donc voilà. J'avais prévu aussi de vous faire quelques gameplays. J'avais pu tester Sunset Overdrive aussi, parce que c'était un jour où il était gratuit sur Xbox One. Mais voilà, tout ça c'est chez un pote. Elles sont sur son ordi. Petite dédicace à toi, Wixo. Voilà, c'était chez Wixo de toute façon. Jérémy, tu te reconnaîtras. Et donc voilà, c'est, elles sont encore sur l'ordi d'un pote. Et du coup, bah, je vais les ramener de chez moi sur une clé USB. Et du coup, je pourrais vous montrer ces petits gameplays. Il y a un gameplay au Morse, je crois. Mais vous pourrez voir franchement que la qualité du jeu déjà n'est pas la même. C'est normal, on n'est pas sur la même qualité de console. Mais c'est vraiment plus agréable à jouer au scope. Oh putain. Ah merde. C'est vraiment plus agréable de jouer au scope. Hein. C'est sérieusement, c'est le pied, voilà, tout simplement. C'est le pied. Alors, attendez, qu'est-ce qui se passe? Après, pour parler de moi et Call of Duty Advanced Warfare, je peux pas dire que je le kiffe. Oh putain, non mais j'ai loupé le kill. Je peux pas dire que je le kiffe comme un BO2. Après, je sais pas si je me suis un petit peu lassé du Call of. Enfin, je dis ça, je me suis lassé du Call of. C'est juste histoire de dire, peut-être que ça m'intéresse moins qu'avant. Peut-être que maintenant, je pense, c'est vrai que je m'intéresse plus à d'autres jeux. Avant, je faisais vraiment que du Call of. Je passais mes journées dessus. BO2, je l'ai séché, mais un truc de ouf. Et donc voilà, c'est pour vous dire que c'est pour ça que je veux un petit peu diversifier sur ma chaîne. Je veux pas juste faire du Call of Duty. Ça serait. Il y a plein de chaînes qui font que du Call of. Après, il y a plein de chaînes qui font du Minecraft, du GTA et du FIFA aussi. Mais j'ai un petit peu envie de diversifier avec les jeux que j'aime, les jeux les plus populaires, les jeux auxquels je joue le plus, voilà. Code, Minecraft, GTA, FIFA, c'est les jeux auxquels je joue le plus. Donc voilà, j'aurai FIFA 15 sur Xbox One, donc encore, bah, je pourrais faire une petite série fut, voilà. J'aurais, au lieu de faire des séries, pour l'instant, comme j'ai pas le jeu, FIFA 15, à chaque fois que je fais une vidéo dessus, c'est soit Wiko qui me le prête, soit Raski vient chez moi, etc. Mais quand j'aurai le jeu, bah ma série FIFA, ça sera plutôt du fut. Je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça et c'est pas mal, hein, c'est vrai. Un petit terrasse, non, je voudrais changer d'accueil. Et donc voilà, la série principale sur FIFA, pardon, ça serait fut. J'aurai pas GTA et Minecraft tout de suite sur Next Gen, du coup, bah, je vous ferai que ce que je pourrais entre guillemets FIFA 15 et du AW. Je pourrais très bien aussi revenir sur Minecraft Xbox 360 et GTA Xbox 360. Mais donc voilà, ça va être un choix que je ferai. Pour l'instant, j'ai pas encore la Xbox One. Noël se rapproche petit à petit. J'espère que vous aurez peut-être, si vous n'avez pas la Xbox One, la Xbox One aussi. Si vous n'avez pas AW, même si c'est pas sur Xbox One, franchement, bah, je vous le conseille. Il est franchement pas mal. Après, moi, je sais pas du tout si j'achèterai les DLC ou pas. J'ai vraiment pas l'habitude de faire les DLC sur ma chaîne. J'aime pas trop le concept de ah bah il y a un DLC qui sort, je vous le présente, etc. C'est vraiment pas un concept que j'aime faire. Mais bon, je verrai si j'achète au moins un DLC, on verra bien. Et donc voilà. Alors MME sur Riot, map assez pas mal, je trouve. Il y a pas assez pas mal, c'est même pas français, pas mal du tout d'ailleurs. Mais il y a pas beaucoup de maps que je kiffe pas trop sur ce AW, franchement. À part une ou deux Instinct, ça dépend des games, je sais pas. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est pas la map que je préfère. Après, il y a vraiment une map que j'aime pas trop. Il y a Horizon que j'aime pas trop. Il y a Ascend aussi. Sinon, je crois que c'est les deux seules maps que je n'aime pas trop. Donc, alors, petit spot que j'utilise tout le temps au sniper, bah c'est ça, ici. C'est le spot classique, hein. Chacun de son côté, il vise. Et oh putain. Et il essaie de tuer les autres. Voilà, je t'ai eu. C'est un spot classique, hein. Franchement, tout le monde vient se mettre là. Allez, merde. Faudrait que j'essaie d'aller en haut. Merde, d'accord. J'ai un petit peu de mal des fois avec les doubles sauts. Mais bon.
C'est pas grave, donc voilà, le Marth, franchement, le sniper que je préfère sur ce Call of Duty Advanced Warfare, je pense qu'il y a vraiment beaucoup... Oh putain, d'accord. Il y a vraiment beaucoup de gens qui préfèrent le Morse, hein, en même temps c'est normal. On a le choix, les deux snipers potables, c'est le Morse et l'Atlas. Et le Morse et l'Atlas, bah il n'y a pas photo, je pense que tous les snipers diront qu'ils préfèrent le Morse. Et ce qui est un peu normal quand même. Hein. Oh putain, d'accord. Oups là, la petite grenade. Je vais essayer de passer par en bas parce que là, ils vont tous faire je sais pas quoi. Hop, donc je joue souvent avec un atout, avec un atout, je sais même plus comment... Ouh putain, je savais même pas que c'était un ennemi, d'accord, je me disais aussi. Je joue souvent avec un atout, d'accord, ouh putain, il est derrière. Dommage. Je joue souvent avec un atout, je sais plus comment il s'appelle, c'est... Comment il s'appelle déjà, c'est... Eh ben c'est... Exosu... Non, je sais même plus. D'accord, c'est sympa. C'est l'atout où bah, quand on fait des dash etc, quand on fait des doubles sauts, on n'est pas repérable sur la map. Et donc voilà. Désolé pour ce petit moment de déconcentration, j'ai essayé vraiment de tuer les gens. Je sais plus du tout quel atout du coup. Quel atout j'utilisais. Ah mais t'es ouf. Ah d'accord, il était derrière. Il y en avait un derrière, un au-dessus de moi partout. Hop. Ça, c'est un peu bizarre ce que je viens de dire franchement. Hein. Alors, j'espère que le retour des Life Snapper va vous faire plaisir. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait avec tous les concepts que j'avais lancés de vidéos Call of. C'est vrai que je vous en avais pas fait depuis longtemps. Après, j'espère que les autres concepts vous plaisent aussi. Donc, il y a deux. Le Life Sniper que je vais tout le temps faire tout seul. Il y a trois concepts de vidéos sur... Enfin, trois séries sur ma chaîne YouTube. Je vais vous les détailler. Donc, alors, il y a le Life Sniper. Le Life Sniper qui est du live commentary au sniper en live, etc. Tout seul. Ça, je le ferai tout le temps tout seul. Après, il y aura les défis abonnés. Donc, dans la semaine, ça va se faire comme ça. Life Sniper. Oh, putain, attendez deux secondes. Life Sniper. Je vais essayer de pas... Non, c'est vraiment chaud de commenter en juin, donc après deuxième dans la deuxième série de la semaine sur Call of, ça sera défi abonné. Donc la troisième après ça sera parlons de tout et de rien. Alors pour ce qui est des défis abonnés, c'est vous qui me donnez en commentaire une classe détaillée bien what the fuck, et je dois essayer de jouer avec et essayer au moins de faire une bonne game ou de rester en positif. Je sais pas si je l'ai encore réussi sur un défi que vous m'aviez donné, mais donc voilà, c'est pour ça que je vous invite encore dans les commentaires à marquer une classe bien what the fuck. Et donc voilà pour ce qui est des défis abonnés. Et après en troisième série, c'est parlons de tout et de rien. Donc ça, c'est pas des lives, c'est pas en live, c'est plutôt un gameplay, deux gameplay en MME plus exactement, que je vous commente, et à chaque fois je trouve un sujet où vous me pour le prochain où vous me donnez un sujet. Donc voilà pour le prochain parlons de tout et de rien. C'est un abonné qui m'a demandé de faire ce sujet. Je ne me souviens plus de ton nom. Et excuse-moi d'ailleurs, mais c'est un abonné qui m'a demandé. Si, quand je vais dire sujet, si tu te reconnais, petite dédicace à toi. Désolé, j'ai oublié ton nom. Ce que je viens d'y penser maintenant, voilà. Le sujet, ça sera est-ce que Call of Duty Advanced Warfare est-il bien ou pas. On va parler vraiment en détail de ce jeu, ce que pensent les gens de ce jeu, tout simplement. On va vraiment parler de tout ça en détail. Et donc voilà, c'est plutôt un gameplay commenté classique. C'est pas en live. Pour que je sois plus posé, pour que je parle plus, parce que essayer de faire ça en live, c'est un petit peu plus chaud, hein. Bien entendu, même si à force, j'ai vraiment l'habitude de commenter et de jouer en même temps, surtout au sniper, parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui arrivent. Voilà, quand tu débutes sur YouTube, t'as pas fait beaucoup de live, etc. T'as pas fait beaucoup de live commentary. Il y a encore plus les gens qui ont l'habitude de se concentrer, mais un max. Bon, je vais le tuer avec ça. Moi. Qui ont l'habitude de se concentrer un max. Oh putain, j'ai failli lui foutre le truc. Donc je répète encore une fois, les gens qui ont l'habitude de se concentrer un max n'y arrivent pas trop. C'est un petit peu normal, mais après voilà, tu prends l'habitude, etc. Voilà, c'est pas mal. Alors bon, on va essayer de terminer la game en beauté. J'ai vraiment beaucoup parlé dans ce live.
Voilà, c'est parce que j'avais plein de choses à vous dire, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti un live sniper. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver, c'est vrai. En parlant de mes vues, voilà, on peut parler de mes vues, hein, parce qu'on doit parler de tout avec ses abonnés. Parlant de mes vues, en ce moment, il n'y a pas trop de vues comme les live snipers que je faisais sur BO2. Mais je ne m'inquiète pas, voilà, j'espère que vous êtes toujours là, toujours sur ma chaîne. La baisse de vues, c'est pas très très grave pour moi. Moi, pour l'instant, dès qu'il y a au moins une personne qui regarde mes vidéos, c'est que je la fais pas pour rien. Donc voilà, mais j'espère que le plus grand nombre de mes abonnés va recommencer à regarder mes vidéos. Ça me ferait super plaisir, franchement c'est normal, hein, quand t'es youtubeur et que tu vois que tes nombres de vues baissent, ça veut dire que t'intéresses moins les gens, etc. Et donc tu te remets en question, tu t'essaies de faire des meilleures choses, etc. Et donc voilà, moi c'était tout pour ce petit live sniper, donc qui aura duré que 15 minutes, voilà, live sniper très très court. Je veux pas vous casser la tête avec un live sniper de 30 minutes, ça serait vraiment trop chiant. Donc voilà, deux games pas mal, je suis mort 15 fois, c'est vrai, c'est une petite map. C'est pas la map que je préfère jouer au sniper, mais bon. Elle est pas mal quand même. Donc voilà, moi j'espère que ça vous aura plu ce petit live sniper. Prochaine vidéo, défi abonné. En tout cas, moi j'espère que ça vous aura plu. Ah, je viens de débloquer un nouveau camouflage. On va aller le voir tout de suite, hein, d'ailleurs. Du coup, j'ai coupé mon truc de fin. Donc c'est classique numérique. Voilà, vous pouvez voir les camouflages pas trop original quand même. Il y a pas trop de couleurs. Et donc voilà, bref, c'était tout pour ce live sniper. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me fera super plaisir pour le travail fourni sur la vidéo, voilà, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, je vous invite à vous abonner si vous voulez me suivre, hein. Je n'oblige personne, voilà. Je n'oblige personne. Si vous voulez me suivre, si vous kiffez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour la vidéo défi abonné. Ciao ciao tout le monde.